L'avantage de cette tuile, c'est l'esthétique en fond de courbe, en tuile, le courant de la tuile, qui imite beaucoup l'ancien principe de pose avec des tuiles canal dessous et dessus. Le jeu latéral permet de faire une toiture qui est en forme de trapèze, où la dimension de la chenaux n'est pas identique à celle du faîtage. C'est-à-dire qu'on a une couverture qui est faite totalement avec de la tuile, et on n'a pas de pièce de zinc qui rattrape ce faux équerre ou ce faux parallèle. Avec ce jeu longitudinal, si on peut pallier au faux parallèle, ça veut dire que du coup on n'est pas obligé de couper la tuile au faîtage. C'est une tuile qui est esthétiquement belle et qui a quand même l'avantage d'avoir beaucoup de jeux qui nous permettent de réaliser des toitures en restauration sans contrainte. Et je pense que les architectes du bâtiment de France doivent la préconiser pour cet aspect esthétique. Cette tuile, pour la première fois qu'on la pose, je trouve sympa, ouais.